vidéo tout le monde, c'est Pseudal, j'espère bien. On se retrouve pour l'épisode 35 de The Legend of Zelda Skyward Sword HD. C'est long. La dernière fois, on était rentré dans le sanctuaire. Alors, on avait escorté le robot là, parce qu'il fallait sa cuve d'eau à la con, il était chiant. Et bref, on est rentré dans le temple pour aller chercher la dernière flamme sacrée. Enfin, c'était peut-être à la fin du jeu. Écoutez, on continue. Qu'est-ce qu'on a vu, les boucles d'oreilles Nufuge. Donc là, j'arrive et ça commence par un boss. C'est pas juste. Alors. Ok. Je crois que j'ai peut-être compris. Aïe, merde. Oh, monteur. La baisse. Ah, je vais pouvoir le sauver. Mais t'es à loin de la baston, frangin. Je t'ai vu masser mon strapelet de couture, je suis fan. T'as qu'à faire, tu veux pas me décrocher de là? J'arrive. Alors là, on peut utiliser le crapin. Ah mais non, mais c'était derrière. Ah d'accord, on a accédé juste derrière. Ah bah je vais le sauver. J'arrive mon grand. J'arrive. Oh et bah des cœurs pour moi j'ai en plus. Ah bah je suppose que c'est ce levier là. Bah. Hein. Faut utiliser le fouet. Yahoo, je le savais. Je sais pas qui t'es, mais merci. T'es ainsi venu chercher des trésors? Oui. Haha, toi aussi, c'est ça qui t'attirait. Ça se voit ta tête, t'es là à cause de la jambe d'un statue killer, hein. Mais dis donc, tes gants sentent un peu le vieux. T'as trouvé au dépotoir ou quoi? Bon, allez, en guise de remerciement, je vais te donner mes gants, collection spéciale. Juste un instant. En fait, les mecs, ils marchent sur leur queue et tout. Tiens, prends. C'était enterré bien au chaud dans un coffre, alors ils sont pas sales du tout. T'en trouves pas des comme ça n'importe. Je bégaye. T'en trouves pas des comme ça n'importe où, alors fais-y attention. Bon, que je file, adios. Adios. Merci beaucoup, mec. On a obtenu des gants Mogma. Même les Mogma ne mettent pas souvent des pattes sur des gants creusetous de cette valeur. Permettent non seulement de creuser, mais aussi de s'engouffrer sous terre. Oh! Oh, j'ai compris, on va pouvoir passer. Bon, d'accord, il y en a en toute logique. C'est ce trou-là quoi, qui me fait passer. Oh, c'est génial! C'est génial! Oh! Oh, c'est pas génial ça! Oh, fais chier! Hé, frangin, alors t'es content des gants que je t'ai donnés? Si tu veux voir la surface, appuie sur ZL. T'as saisi ZL pour la surface, oublie pas, hein? Oui, mais. Écoute, moi, y'a la tête de la tue. Est-ce que je peux péter les caisses aussi? Non. Est-ce que je peux pousser les caisses? Non. D'accord. J'ai compris.
Bah, c'est tout con en fait, c'est un peu un petit labyrinthe, voilà. Je pense que voilà, faut se mettre sous le rayon de lumière, ouais, pour sortir, ok. Tout va bien. Ok, donc je ressors par ce trou. Ah non. Dans l'ordre. Souffler ça. Oh. Je suis pas allé dans ce trou là. Ah, c'est pas un vrai trou. D'accord. Bon. Parce que là je suis bloqué donc faut forcément que je creuse dans ce trou là. Ah, très bien. Bip. Ça ressemble à un gros interrupteur. Non mais c'est fou le gameplay qu'il y a. Ah. C'est génial. C'est génial. C'est fou le gameplay qu'il y a. On est dans le commanding, on a dû faire plein de trucs et là il nous offre une mécanique de... Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre mot. Par contre, c'est un vrai petit labyrinthe. Enfin, le temps qu'on trouve la statue, je me demande si ça fera un bon petit épisode. Lui, il n'a pas compris. Lui, il n'a pas compris. Et toi, tu vas pas comprendre. Non. Ouais, non, mais merci, au revoir. Hein? Oh, pardon. Hop. Là je peux pas passer en... Ah si je peux. Non ça passe pas. Ah non faut que j'utilise des piliers. Qu'est-ce qu'il y a à droite? Qu'est-ce qu'il y a à ma droite? Ah cool. Et ça me ramène. J'ai aucune idée de où est-ce que ça me ramène. Écoutez, on devait aller en face, on va aller en face. Alors... Ah, j'entends un mec. Il me voit d'où? Est-ce qu'il me voit? Je ne sais pas, on va estimer que je peux passer. Sans trop craindre un peu. Une flèche de je sais pas d'où. Ah, de dessus. Touk. De toute façon, ça m'a l'air d'être un labyrinthe quand même, machin. Ah, un autre magma. Enfin, la flotte. Bulunzu. T'arrives pile au moment, frangin, j'ai pas coupé, mais enlève-moi cette chaîne, s'il te plaît. Un petit point. Allez, si tu m'héberges, je te dirai un super secret sur cette salle. Une vraie info qui vaut de l'or, hein. Qu'est-ce que t'en dis? Fine. Même si j'avais le choix. Alors. Alors, je peux m'engouffrer dans un trou. Comme je peux m'engouffrer dans ce trou là. Je pense que là c'est un trou aussi. Ah non, c'est pas un trou. Si, un trou. Pour un cœur. Ok, bon. On va sauter dans ce trou là. C'est marrant. J'avoue qu'il est marrant. Alors, il y a un interrupteur, je vois, qu'il va falloir activer là-haut. Si tu ne peux pas l'activer en haut, ça passe par le bas. Uh-huh.
petit vélo tracteur. Il va falloir faire le tour. Ça va, c'est pas en mode piège, il faut en activer un sur deux pour passer. Enfin, je pense, hein. Je dis ça. Ça, tu vas voir, je vais activer et puis je vais me retrouver comme un con. Merde. Ah, si, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. Juste pour l'acquis de conscience, mais non. Y'a rien. Allez, sors. Et boum. J'ai dû ouvrir les portes. Oui, ok. Oh pardon, je me suis blessé. Oh, je dis pardon. Oh pardon, la plante. Et voilà. Ah bon bah je vais le libérer. Hop, voilà. Yohou, à moi la liberté. Hey, merci du coup de ma banane. Croyez vraiment que j'allais te donner ma super info alors que j'ai tellement de mal à... Hein? Mais c'est les gants collection spéciale de mon frère Octelac, d'un de ses potes. Ouais, je l'ai sauvé. Attends, attends, je voudrais te donner un truc. Je vais te le chercher, bouge pas. Ouais, c'est ça, respecte, respecte mon gars. Oh la gueule qui va. Tiens, prends ça. Cette pièce, c'est un secret super secret que j'ai découvert grâce à mes fouilles spéciales et cette fois, j'en suis sûr. T'es prêt? Il adore cette salle. Un compartiment secret. Bon, tu diras à personne que je m'étais fait attraper, hein. Ok. Super, tu te souviendras de ta promesse, j'espère. Oui, oui. Allez, hein. Allez, salut. Ouais, ciao. Salut frangin, content de te revoir. Excuse-moi, mais j'ai entendu ta conversation. Ah, c'est la scar t'a fait tourner un bourré. Mais ce qu'il t'a dit, c'était pas des foutaises. Je sens comme un courant d'air dans cette salle. Je suis sûr que les infos contenues dans le coffre seront utiles. Point, 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 point. Vous avez obtenu la carte du donjon. Ah, c'est cool. Enculé. Enculé. On appelle certains à la salle du mur secret. Il paraît qu'il y a une autre salle derrière un de ces murs. On n'ose pas trop approcher des durins par ici, mais c'est trop plein de monstres. Mais c'est peut-être un passage secret. Alors. Alors. Comment dire? Comment dire? Comment dire? Non. C'est quoi ce bug? Ce mur là? Oh, chier. Ah, il faut que je passe. Oh là là! Ah, je vais passer de l'autre côté. Bon, bah, très bien, c'est parti! Alors, Ah, attends, viens. Voilà. C'est fou comme il se retourne pas dans le trou. C'est quoi cette merde? Oh! Ah ouais, je le vois, c'est chiant. Je peux pas faire de demi-tour, donc faut que je réfléchisse à comment. Putain. Le truc est pas chiant. Oh, merde. Oh merde. Ça va. Chiant ce mob. Attends, mais je suis en train de faire le tour avec lui là. J'espère qu'il ne remonte pas.
Ah, c'est 9. Ouah, pas facile, hein. Faut le péter en 3-4 coups. Eh bien. Ah, mais il suffit de remonter. Allez, hop. Hop. Ah, il est assez long. Oh, cool. Petite clé. Il y a tellement de portes verrouillées aussi. Ah, c'est par là. Ah, bah, je passe par là-bas, d'accord. Alors, par où est-ce que je ressors? Par là. On y est presque, on y est presque. Ah, mais il faut trouver la statue aussi. Ah. Ah bon. On va ressortir, je suppose. Ah, mais oui, mais je sais, oui, on arrive dans le... traverser et en toute logique faut qu'on aille sur la droite. Ah bah oui, on va rouvrir. Tac, alors attendez, écoutez, je regarde juste à combien de temps on en est. On en est à 16 minutes, mais très bien, très bien. Eh, eh, tout va bien. Oups. Ah ouais, là c'est un raccourci pour je sais que... Ah, attends, quoi? Ah, par cette porte là. Est-ce que là, ouais. Attendez, je reviens de là. J'ai traversé. Si je vais là, je sais plus où est-ce que ça me mène ici. Ah bah voilà, je fais un tout droit. J'ai une porte sur la droite. Ah bah oui, oui, voilà, c'est cette porte là qu'il fallait. Ouais, ok, ok, tout va bien, tout va bien. Et on continue. Alors. Pas l'avoir comme ça. Ah, bonjour. Parce qu'il faut que j'aille par là, sachant qu'il y a une porte par là. Et moi, si j'étais, si je m'écoutais, j'irais déjà en face. Parce que là, vous voyez, si je vais directement là, j'ai de toute façon pas la clé de serrure. Oh la vache, il fallait les tuer vite. Hein. Allons-y. J'ai pas envie de l'affronter au corps à corps. Voilà. Qu'on se lèche dans sa tête. Alors. Là, c'est quoi? C'est pas un trou, ça. C'est tout juste. Toi. Ah non, j'arrête. Pas de rocher à péter. Ah, il va falloir que je creuse. Creusons. Ah, non. Ça marche pas. Ah,
va falloir que je pousse cet interrupteur. Oh bah dis donc. Qui t'es toi? Ah c'est Tignon. C'est parti pour une nuit blanche. Oups. Petit con. Ouais, un monstre vert. Je pensais pas qu'on me trouverait ici. Je suis acculé, faut que je trouve un truc. Et il peut rien faire contre un magma dans son habitat naturel. À moins de me bloquer complètement, il m'attrapera jamais. J'aimerais qu'il aille en bas en fait. Ah, il m'a vu. Comment je le bloque? Oh, j'ai eu. Ah là, tu m'as eu, tu peux me faire griller au bouillard, ça m'est bien légal. Hein? C'est quand? Ton souhait de la collection spéciale, mon frangin, non? Oui, il les a donnés. Fallait dire que tu connaissais mon frangin. T'es tout ouvert, alors je crois que t'étais un monstre. Allez, sois pas fâché, c'était juste un petit préjugé. Tiens, je vais te donner quelque chose pour me faire pardonner, attends-moi ici. Attends. Les têtes qu'ils ont. Tiens, voilà pour toi. En fait, j'y pense, les monstres avaient l'air de chercher quelque chose au bord du gouffre plus loin. C'est où tu vas, non? Fais attention à toi. Moi, je retourne chez le boss. Je trouverai la porte au passage. Allez, à plus. Ah, cool. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'il me donne? Oh, monsieur. Merci beaucoup. T'as obtenu un fragment de cloche. Il en faut 4 pour plus que 2. Ah, plus que 2. Hop. Hop. Plateforme et la phase, je suppose. Hop. Oula. Tiens, dégage. On prend là-dessus. Raccourci, je suppose. Et on va sauvegarder. Regardez. Oui. Yep. Alors. Ah, on peut. Oh, on peut s'engouffrer là-dedans. Réservé de foutre une porte verte là. Oh, j'ai quelque chose. Ah bah non, c'est la plante qui a repoussé. Faut pas paniquer. Ah, j'ai compris. Problème là, non? Lol. J'ai compris à quoi servaient les points.
vite. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Et quoi, c'est ma service, là? Où est-ce qu'on en est dans l'épisode? J'aimerais bien trouver la clé. Et au pire, on s'arrêtera devant le boss. Ah, c'est qu'il n'y avait pas de courant juste avant. Ah oui, donc ça ne servait à rien que je prenne la plateforme. J'en sais rien. Parce que vous voyez là, j'ai pas la clé. Ah, faut que j'aille là. Ah, la clé est forcément là. La clé est forcément là. Alors. Le pont de la détermination, choisis ton chemin en montrant ton courage. Oui. Je regarde quand même, on en a combien? On en a à 26 minutes. Oui, 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 on peut aller chercher la clé. Alors, tiens, dégage. Alors. Oui, il faut sauter. Celle qui avait la bouche ouverte. Mais les yeux, on s'en fout. Les deux ont la bouche ouverte. Merde, c'est laquelle? Je crois que c'était... Attends, statue... pas endormi, mais calme. Donc, je pense... Attends. YOLO. C'était la bonne. Plus jamais. Ah, c'était donc ça l'énigme. Ah ben on s'en fout, mais tout ça. Ben oui, mais j'ai cassé les cartouches, il y avait un coffre sur le... Merde, j'ai tué les papillons. C'est, je pense que c'est forcément des mobs à parade. Tu parades et tu contre-attaques. Je pense. Hein, je ne vois que ça. Oui, il faut monter. Et je pense qu'on va obtenir la clé. Et on va sans doute s'arrêter là. Thank you.
Le cœur descend. Alors, je peux monter, mais de ce que j'ai vu. Ah, j'ai compris. Est-ce que je peux sortir sur un lierre? Oui. Merde. Je peux pas me décaler un peu plus. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que c'est la clé? C'est de la merde. Mais c'est de la merde. Mais c'est pas la clé. Mais c'est pas celle que je veux. Les menteurs. Les jeux de merde. C'est pas grave, on continue, hein. Hop, on joue pas. Attends pas. Oh putain, y'a des creux. Je les vois pas, moi. Moi je cours pas, je continue. Hop. Ah, c'est le coffre de la clé, c'est sûr. Commençant par celle qui est le moins d'elle apporte la lumière aux statues en leur accordant une prière. Lorsqu'elles auront toutes retrouvé la lumière, le trésor des rois sera tien. Celle qui a le moins d'elle apporte la lumière. Ah putain, Lina. Alors attends, donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc 1, 2, en gros, diagonale, diagonale, gauche, diagonale. C'est tout, c'est l'énigme. Bon bah écoutez, on va faire l'énigme, on va récupérer la clé. On s'arrêtera là. Alors ça c'est... Ça c'est la une. Ça c'est la deux. Ouais, j'ai compris. Là faut que j'envoie ce truc là. Trois, quatre, cinq. Voilà. Et ça se trouve. Ah. Écoutez, on va prendre la clé. Et on va s'arrêter là. Oh là là, je suis désolé. Oh là là, quel rude personnage que je suis. Mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Mais c'est tout mignon, les pingouins, les statues pingouins. Le cristal étrange, les cubes qui le couvrent, un éclat discret, en manque quelques-uns. Ok. Écoutez. Où est-ce qu'on sort? Par là. Je suppose que ça va lancer. C'est cool. Ah, j'ai les 600 pour acheter une place supplémentaire dans la sacoche.
Oh là là. On va sauvegarder. Écoutez, je vais vous dire à la prochaine. Et comme d'habitude, merci beaucoup. Je crois que c'était épisode 34. J'ai des sérieux doutes. C'est pas grave. Comme d'habitude, likez, partagez. On va voir la flamme sacrée, la troisième flamme sacrée dans le prochain épisode. Et avancer dans l'histoire principale, essayer de retrouver Dame Zelda. On approche de la fin. Hein. Je pense qu'on approche quand même de la fin. Hein. Donc écoutez. Voilà. Merci beaucoup. Comme d'habitude, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Ça fait super plaisir. Ça m'aide. C'est cool. Là, je me suis chauffé pour essayer de terminer le jeu. Parce que voilà, j'ai envie de passer à d'autres let's play. Donc voilà. Écoutez, merci beaucoup. Ben voilà, je vous dis à la prochaine. Si la portez-vous bien, c'était Pseudal. Salut.